Merci Martin d'être venu aussi vite. D'accord. C'était ça ta surprise? Qu'est-ce que tu veux, je suis pas douée pour les cadeaux. Je vous l'emprunte 2 minutes? Oui, bien sûr. Je me doute bien que ça t'embête d'avoir fait tout ce chemin pour un cheval. On me colle une pression d'enfer là-haut. Pour un cheval? Non. À cause du propriétaire, un certain Éric Lombard. La bête devait faire dans les 600 000 euros et l'usine lui appartient. C'est un des plus gros industriels de la région. Il n'y a pas 40 ans, il est déjà à la tête d'un groupe coté en bourse. Écoute, franchement, Cathy, là, je préférais que tu mettes quelqu'un d'autre sur le coup. J'ai plus du tout envie de faire dans le politique. Puis j'ai 3 SDF assassinés sur Toulouse. Tu sais bien que la merde descend toujours la colline. On m'a fait clairement comprendre qu'on te voulait sur l'enquête. T'as personne sous la main. Lombard connaît des gens très haut placés. Ils ont dû se rappeler que t'étais un bon enquêteur. À l'époque où t'y croyais encore. S'il te plaît, Cathy, je veux pas traîner par ici. S'il te plaît. Martin, j'ai pas trop envie de leur dire que tu refuses l'affaire. Tout ce que je te demande, c'est une consultation d'experts pour démarrer l'enquête. Deux jours, pas plus. Après, je rentre.